Salut mes duchesses, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, alhamdoulilah. Oui, je suis habillée de la même manière que la vidéo précédente. C'est normal parce que je les tourne à la suite de l'autre, voilà, pour pouvoir optimiser mon temps et pouvoir vous poster le plus souvent possible. Alors, là, je vais vous parler de quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire en fait dans ma vidéo. Sauf avant, je faisais un peu de haul, voilà. C'est un peu en haul, mais pas tout à fait comme les autres. En fait, je vais vous montrer un peu quelque chose que j'aime. Quelque chose que j'aime, même si j'arrive pas à le faire de façon quotidienne. Et que j'arrive pas à me le procurer aussi parce que, voilà, je le trouve pas forcément ici. Et ça coûte une blinde en France. Mais bon, c'est quelque chose que j'aime. En fait, j'aime énormément la coutume africaine. Au fur et à mesure que vous me regardez, vous pouvez commencer à savoir. J'aime bien mes coutumes. J'aime bien ce que je suis, d'où je viens. Et j'aime bien aussi le transmettre. Comment dire? Comment dire? Après, j'ai pas eu l'occasion de vraiment voyager le plus souvent en Afrique, mais j'aimerais tellement, Inch'Allah, j'aimerais tellement le faire. Et ça va venir. Voilà. Alors, souvent on me parle de tenue africaine. De tenue africaine. Mais sauf que moi, dans ma tête, tenue africaine n'est pas forcément ce que dont on parle. Alors, je vous fais une petite récapitulative. Parfois, quand on parle de tenue africaine, on a tendance à parler de wax et de basin, tout ça. Mais pour moi, parler de wax, tout ça, comme tenue africaine, c'est comme parler du thé de l'Angleterre par rapport à l'Inde. Vous voyez, le thé vient de l'Inde, apprécié par les Anglais. Le wax vient de l'Hollande. Voilà, ça dépend, hein, mais vient de l'Hollande, apprécié par les Africains. Voilà, donc ça rentre dans nos coutumes. Mais quand je vous parle de tenue africaine de ma part, et venant de moi, je vous parle vraiment d'une tenue qui a été faite par du coton africain, qui a été fait par des tisserands, voilà, qui ont tissé les tenues de façon artisanale. Voilà, c'est ça que j'appelle tenue africaine, vous voyez, et c'est ce que je kiffe. Donc là, j'ai une toute petite collection, quand même, je vais vous montrer, et je les kiffe de ouf. C'est vrai que ça peut coûter une blinde en France, et je ne dis pas non. C'est des choses qui sont faites à la main, qui prennent du temps, voilà, c'est pas du cheap quoi. Alors, en fonction des pays, ça change. Au Ghana, vous allez avoir du kita. En Côte d'Ivoire, vous allez avoir du kita. En région métropolitaine, au fur et à mesure. Au Mali, vous allez avoir du bogolan. Voilà, en fonction des pays, en tout cas, ça peut changer. Et à vrai dire, je kiffe. Donc, il faut savoir que nos ancêtres, en fait, s'habillaient voilà, avec les tenues qui sont faites, en fait, vraiment artisanalement, en fait, par l'Africain lui-même, dans le pays lui-même, parce qu'il y avait des familles qui étaient plus des tisserands. C'est comme, en fait, en Afrique, on va dire, en fait, après, je connais pas grand-chose, hein, donc si je me trompe, veuillez me dire en commentaire. Oh. Donc, en fait, on va avoir des familles qui vont plus tisser, qui vont tisser du coton pour en faire de l'in, des vêtements, en fait. Il y a des familles qui vont être plus forgerons, il y en a qui vont être plus chasseurs, voilà. Donc, dans la famille des tisserands, c'est eux qui vont, voilà, ils vont tisser le vêtement pour le village, pour le roi, tout ça. Ben, sans vous finir, je vous montre ma petite collection. Je commence par mon veste. Alors, ceci, en fait, c'est une tenue. On va dire que c'est porté par des Yacouba en Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas. Donc, voilà, ça, c'est plus de la Côte d'Ivoire. Je vous montre. Alors, moi, j'ai pris celui-ci. En fait, c'est le modèle homme. C'est comme ça que je voulais le mettre. Il est simple. Sauf la partie, je kiffe trop quand les papas ils le mettent et tout, genre je kiffe tellement. Et j'aime bien quand ils vont dans les cérémonies et tout, ils vont le mettre comme ça. Quand le papy il met ça là comme ça, c'est qu'il est fâché. Hein? Voilà. J'aime tellement. J'aime tellement. En tout cas, ça, en plus il est lourd. C'est vraiment une matière lourde, on va vraiment du savoir-faire dedans, c'est de l'art. Vous voyez, c'est de l'art. On va du savoir-faire dedans et voilà, je kiffe quoi. Et cet été en tout cas, je vais t'habiller comme ça. De toute façon, je vous mettrai des photos sur Snap, Instagram, une fois que je le vêtirai comme je le souhaite. Donc, vous l'avez en pagne, il est cousu aussi pour les femmes. Hein. Donc, toujours dans le même esprit, là j'ai un pagne, c'est un grand pagne. D'ailleurs, il faut que je coupe parce que c'est du deux pagnes. Faut que je le coupe en part unique. Et voilà, donc, on fait de grands blocs aussi comme ça, de grands tissus comme ça. Et ensuite, que vous allez venir, voilà, couper, faire un modèle, faire un motif avec. Après, moi, je les ai prises dans les couleurs que j'aime. Moi, je suis plutôt dans du style noir, beige, des couleurs un peu neutres, moins colorées. Mais voilà, bref. Donc, moi, je l'ai comme ça. Après,
si je veux le couper ou que si je veux le coudre. Voilà, je peux le faire comme je veux, c'est un grand pagne. Voilà, c'est après les pagnes, nos mères, elles les attachaient comme ça. Hein. Voilà, on les attache comme ça. Et faut savoir que les femmes, elles allaient attacher le pagne et en même temps le même morceau dans le même esprit qui va venir couvrir la poitrine pour les femmes qui étaient mariées. Et les femmes jeunes, les jeunes filles, ben, elles n'avaient pas la poitrine couverte. Et ce n'était pas du tout signe de vulgarité. Et bien au contraire, la vulgarité, ce n'est pas forcément de la façon de s'habiller, mais c'est de la façon aussi de paraître et de se comporter. Donc, elles allaient attacher un pagne, un foulard. Pour celles qui étaient mariées, du coup, elles cachaient leur poitrine. Celles qui n'étaient pas mariées, du coup, elles n'avaient pas caché. Ce n'était pas une question de pudeur ou autre. Hein. Voilà, c'était comme ça que ça se faisait. Donc, voilà, j'aime tellement mon pagne. Mais vraiment. Donc tout ça est fait à la main, c'est très lourd, hein. C'est vraiment très très lourd et c'est des choses qui vont durer longtemps, qui se transmettent de génération en génération, de grand-mère à la petite fille et tout, et vraiment c'est très très lourd. Et j'ai aussi ça, voilà, un peu d'Ikita, ça, que j'ai piqué à ma mère. Donc c'est toujours dans le même esprit, je ne sais pas si vous voyez en fait les effilochés en fait. C'est vraiment fil par fil, c'est vraiment fait fil par fil et tout, et ça prend un temps fou et énorme. On t'en fout et énorme. Voilà, celui-là est un peu plus coloré. Donc là, on pense des différents coutumes aussi quand la mariée ou quelqu'un d'important s'habille et met ça sur le côté comme ça et va dans les fêtes et tout. C'est vraiment, j'aime tellement, mais vraiment, si je pouvais vivre dans l'ancien temps, je kifferais. Et ici, c'est ma petite collection à moi, je sais qu'il y en a beaucoup. Et moi, c'est ma petite collection et là, je remercie beaucoup ma copine d'amour, ma soeur d'amour. Elle m'a apporté ça du Mali et c'est du Bogolan. Donc là, c'est du Bogolan, en fait, c'est vraiment, c'est toujours dans le même esprit, en fait, de façon de faire, en fait. Vous voyez, si vous avez tout compris, là, vous voyez vraiment que c'est du fil par fil, voilà, qui a été fait du fil par fil, en fait. Et on voit vraiment du travail dedans et le temps que ça peut prendre. Le temps que ça peut prendre. Après, le bogolan, il est moins rigide. J'aime bien, il est plus fluide, en fait. Il est plus fluide que par exemple, celui-ci. Que, par exemple, celui-ci qui est un peu plus lourd. Oula. Voilà. Que, par exemple, celui-ci qui est un peu plus lourd et un peu plus rigide. On va avoir le bogolan qui va être beaucoup plus souple, plus détendu, en fait. Et j'aime beaucoup, mais... Soit on le prend en pagne, comme je vous l'ai dit. Dans le pagne tracé. Voilà, dans le pagne. Et parce qu'on va avec mes cet hiver, pourquoi pas le mettre comme ça en écharpe. Je kiffe. J'aime tellement, je ne saurais vous dire. Donc voilà, c'est un peu un petit bout de ce que j'aime et des anciennes choses. Bon, pas des anciennes choses, de ce qui se fait chez moi. Et que j'aime transmettre aussi et que j'aime donner aussi l'amour de cela à mes enfants. Et voilà, si vous avez aussi un tissu spécifique à chevaux qui est fait de chevaux, voilà, parlez-moi-en en commentaire. Ça me plairait énormément d'aller checker et de pouvoir m'en procurer, Inch'Allah. Cet été et ce printemps-là, vous allez me voir comme ça. Peut-être celui-là, je vais le coudre, même faire un petit haut avec, comme ça, dans ce style-là. Je trouve que ça me va tellement bien. En tout cas, la petite vidéo va s'arrêter là. C'était vraiment pour montrer ma petite collection de tenues que j'aime énormément et que je mettrai, si ça dépendait de moi, je mettrai au quotidien parce que j'ai pas encore toute ma collection. Mais une fois que ma collection elle va être remplie là, je vais le mettre au quotidien. Mais ça, je vous le dis et vous le verrez. Je mettrai au quotidien parce que j'aime beaucoup et c'est vraiment un petit bout de moi que je vous partage. À la limite, je vais vous rentrer dans mon intimité là. Parce que là, vous êtes nombreux maintenant à me suivre en fonction de différentes régions que vous viviez. De vos pays, je sais qu'il y en a qui me suivent depuis le Gabon, depuis le Burkina Faso, depuis le Sénégal, le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire bien sûr. En tout cas, ça me fait tellement plaisir et j'aimerais tellement aussi connaître vos coutumes, vos habitudes de vie, tout ça. En tout cas, mettez-moi en commentaire aussi vos tenues, le nom qu'ils portent chez vous et si je peux aller checker et regarder à quoi ça ressemble et tout et pouvoir les procurer, ça me ferait tellement plaisir. Et même s'il y a des vendeurs même en région parisienne ou qui vivent en région parisienne, ça me fera plaisir énormément. Moi, en tout cas, prenez soin de vous. Prenez énormément soin de vous. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Donnez-nous de la force. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Activez la cloche pour ne pas rater mes vidéos. Sur ce, moi, je vous fais de gros, gros bisous. Prenez soin de vous. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne.